Et bonsoir à tous, bonsoir, ici Cléasim, et on se retrouve pour un nouveau live sur Timberborn, peut-être l'un des derniers concernant cette série, mais on verra un petit peu comment on va s'en débrouiller pour l'instant. L'idée étant pour nous peut-être de se diriger vers cette zone-là, pour aller chercher notamment les ruines souterraines et donc avoir constamment de l'acier. Et cet acier nous sera utile notamment pour on va aller chercher on va tenter d'aller chercher les bottes, ce qui promet d'être compliqué. On va pas se le cacher. On a un bâtiment non relié pour l'instant, c'est normal, c'est tout à fait normal, pas de souci là-dessus. Donc l'idée, bien sûr, c'est d'essayer de gérer nos canaux, ce qu'on avait quand même plutôt bien réussi la dernière fois. On a commencé à faire un réseau, hein, assez important, qui relie cet ensemble-là à cet ensemble-là, et on a un deuxième ici. On va commencer peut-être à rajouter, on a de quoi rajouter ici quelques passages également de roues. Donc, ce qui pourrait nous être sympathique pour pouvoir augmenter notre puissance d'entraînement pour les différents éléments. Donc là, ça peut être notre source principale d'énergie, on va dire. On a aussi à débloquer, hein, du côté de l'énergie, on a débloqué, mais il faudra qu'on utilise la centrale à gravité, notamment, voir un petit peu comment ça fonctionne. Du côté de la science, c'est vrai qu'on a, bon, on n'a pas, on a pour l'instant la raffinerie, c'est bien. Mais on a l'usine à composants de bottes, il va falloir qu'on en fasse trois différentes. Pour pouvoir relier enfin utiliser les trois éléments. Alors je sais pas si les bottes, une fois qu'ils sont assemblés, se détruisent d'eux-mêmes ou s'il faut en reconstruire à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il va falloir voir un petit peu ce qui est nécessaire ou pas. Parce que ça peut ne pas être si évident que ça. Par contre, ah oui, ils mettent le nombre de castors nécessaire, c'est ça? Oh, j'avais pas vu ça. Donc on a tout en haut, vous voyez, deux castors utilisés pour la raffinerie. On a un castor ici et 150 chevaux. Et ici, deux castors et 250 chevaux vapeur. Donc on a quand même du matériel à utiliser et des personnes à faire venir. 36 heures pour le construire, c'est long quand même, hein, pour deux personnes. Donc c'est pour ça qu'il va falloir voir un petit peu peut-être ce qu'on peut fabriquer. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'huile, comme c'est le cas. On n'a pas besoin d'avoir la menuiserie avec notamment les cabanes de seigneurs, etc. Pour bien récupérer ce qu'il faut. Ça, c'est sirop d'érable et résine de pin. Et c'est vrai que les deux là ensemble, ça pourrait être sympa. On pourrait se faire notamment une petite chose ici, hein, s'il faut. Mais il n'y a pas d'érable. Là, il y a que du marronnier. Donc, j'ai pas spécialement envie de flinguer là. Par contre, ce qui est là pourrait être sympa. Ou on pourrait faire une récolte de résine ici, juste à côté d'ailleurs. C'est pas forcément. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Bonsoir à toi, Jackel. Alors ça va, je te remercie beaucoup mieux qu'hier, oui. Beaucoup mieux qu'hier, malgré le fait que j'ai moins dormi, mais c'est que ça va mieux, ça va déjà beaucoup mieux, donc autant en profiter. Donc, et puis bon, pour tout dire, je dormais encore il y a 20 minutes, hein. On va pouvoir avancer un petit peu tout ce qu'il faut. Il va falloir essayer de récupérer du sirop d'érable, donc. Et de la résine de pin pour pouvoir faire de la menuiserie plus tard, puisque on en aura besoin de la menuiserie pour certaines réalisations. Alors pas pour l'observatoire par exemple, qui pourrait. C'est vrai qu'on pourrait faire l'observatoire. Donc on pourrait faire l'observatoire. Ça pourrait pour 1000 points, on pourrait essayer de le débloquer. Mais après l'observatoire, c'est vrai qu'il faut le mettre une zone où on peut. L'observatoire, il lui faut de la puissance, il lui faut 200 chevaux. Donc il va peut-être falloir qu'on le mette à un endroit où on puisse utiliser de l'énergie assez facilement. Alors est-ce que ça vaut le coup de. Ça serait dommage de le construire ici, je trouve. Mais là-haut, c'est vrai que ça pourrait être sympa.
Après, on est... Ah, mais c'est vrai qu'on était en train de creuser là. On était en train de faire... une belle explosion. C'est vrai que là, par contre, on va vraiment faire venir de l'eau de ce côté-ci, puisqu'on aura vraiment 4 sorties qui seront en pleine puissance et pas 3 plus 4. Donc ça va être, ça peut être intéressant pour la suite. On va en remettre un là. Ah, je suis à petite butte ici. Oh, c'est vrai que ça pourrait être drôle en fait, oui, en effet. Mais le problème c'est qu'elle est très grosse et que ça passera pas ici. Ça passera pas. Là-dessus aussi, mais après le problème c'est que d'ici, il faut... ça, j'aimerais peut-être le garder pour les trucs à gravité. Alors les trucs à gravité, on va peut-être les faire. On va peut-être faire un trou là-dedans et essayer de voir comment ça fonctionne là-dedans. Mais il faut qu'on amène de l'énergie là, enfin qu'on amène l'essieu là-dedans. Et après on va essayer de faire tourner l'énergie et tout ça là-dedans. Donc ouais, ça pourrait être intéressant. On pourrait l'utiliser là-dessus, hein, ça pourrait être très très bien. L'idée étant par contre, c'est qu'il faut se laisser un passage pour pouvoir monter dessus. Et venir casser ce bout de bois qui sont là, qui nous embête. Parce que j'ai pas envie de faire ça. Et c'est celui-là qui m'embête le plus. J'aimerais continuer là-dessus en fait. Bon, on va peut-être le faire comme ça, tant pis. Hein. Juste un petit escalier en bois temporaire. Comme ça, je casse là-dedans, je fais mon escalier et on arrive directement dessus. Ça pourrait être peut-être l'occasion. Ah, et c'est vrai que là, on a des érables. On a des érables qui se répandent petit à petit. C'est vrai qu'on n'a pas non plus. On voit bien l'eau qui tourne et l'énergie qui se met quand même un petit peu en place et tout en tournant tout autour, etc. Mais. Ça nous fait gagner quelques jours d'énergie. Par contre, il faut qu'on regarde que ça soit bien fait, ça. Parce que sinon, c'est le genre de truc que je vais oublier assez facilement. Alors, je refais vite fait le tour. Hein. Quand même, ici, on a 5 castors qui font rien pour l'instant. Là, on en a 0, il manque 4 travail. Ouais, c'est les remplacements qui sont un peu compliqués pour le moment. Mais une fois que tout sera construit, on sera pas mal, hein, je pense. Et après, les trucs, peut-être, c'est que il va peut-être falloir. Ouh, attendez, j'ai peut-être une idée pour relier ce secteur-là d'énergie à celui-ci. Passer là au-dessus, en fait, que les castors passent en dessous, là-dessous. Et l'énergie passe à ce niveau-là en prenant ce point-là, et ça va tout droit, et ça revient là. Et donc on pourra avoir déjà une hélice ici. Le problème c'est que là, c'est assez large en fait. Mais on pourrait peut-être la faire ici, parce que ça peut sauter. Hein. Ce que j'ai fait là, je peux le mettre ici, ça ne changera pas grand-chose. Pour l'instant, tu vois, on a creusé là et on va aller jusque là-bas au fond. Donc on a un gros trou à faire encore. Hein. Il y a du monde à creuser, il y a du monde à construire. Et ici, on va s'arrêter juste... hop là. On va s'arrêter juste à cet endroit-là pour pouvoir faire... le passage tel qu'on le souhaite. Donc avoir un niveau 3 plus 1, donc on a un niveau 4, et puis on aura le passage ici, ça sera très bien. Quitte à ce que cette éolienne passe sur ce secteur-là, c'est pas très grave. Parce que là, on a du passage, on a de quoi gérer encore. Hein. Il nous manque 111 matériaux de construction.
Ça va, c'est correct. Moi, je trouve ça correct. Par contre, il me faut un gars qui s'occupe des marrons là. J'ai combien d'enfants là? 6. Il me manque 3 travaux. Il me reste 6 lits. Les réserves de bois, elles se font dépouiller, je crois, j'ai bien l'impression. Là, ça a avancé aussi, c'est bien. Après, on pourra envoyer un peu du bois qui est ici, là. Hein. Au besoin. Là pour l'instant je vais pas trop y toucher. Je sais pas si ça je vais y garder comme ça aussi ou pas. Parce qu'on peut en faire des chemins. Après le tout ce serait qu'ici on est suffisamment. Ça déjà. Hop, on va essayer de se garder l'eau là au centre. Qu'on ait ici une grosse réserve d'eau, enfin une réserve d'eau qui se fasse un peu plus importante, ce serait bien. De toute façon, on a fait ça pour pouvoir arroser s'il y a besoin. Donc on tient un peu les coins au besoin. Ce qui fait qu'il va manquer par contre des marrons grillés, je pense, à un moment. Du moment que tous les chemins mènent chez Père Castor, ça va. Bah, de toute façon, oui, il faut que ça soit forcément relié au moins vers le centre du district, sinon ça fonctionne pas bien, ouais. Bon, c'est bon, on va pouvoir déjà fermer ça. Là, on est quoi? On a un. On est loin là? Ah oui, on est quasiment à la limite. Hein. Excusez-moi. Je me demande si cette route que j'ai fait ici, j'aurais pas dû la faire là. Parce qu'on aurait peut-être évité des ennuis. Et j'ai pas fait ça là. Alors il me faut ceci et ceci et une petite route là et on aura fait le passage. Mais voilà. J'adore ce petit pont là que j'ai fait. Bonsoir à toi Falsehaïm. Donc j'ai pris le temps de me reposer un peu aujourd'hui. Avant le live en tout cas. Ça tousse toujours un peu autant, mais déjà ça va un peu mieux. Je me sens moins lasse, mais je sens toujours des démangeaisons au bras droit et ça c'est plus désagréable. Surtout quand on sait pas l'expliquer. Peut-être falloir qu'on utilise ça aussi, hein, on sait jamais. Falloir qu'on envisage fortement
Peut-être lui, on verra. Ah, là, on n'a pas. Alors, attendez. On avait dit que on pouvait utiliser ça. Et c'est vrai que ça me paraissait pas si... Parce que c'est quand même dommage à chaque fois de perdre nos patates, alors que en faisant ça, on perd pas nos patates, quoi. Bon appétit à toi, Falseg. Donc ce que je disais tout à l'heure, et si jamais on va faire hop là un petit truc en 4 ici au besoin, comme ça on est sûr de, et on pourra aller chercher de l'énergie par ici s'il y a besoin. On pourra s'en priver bien sûr. Peut-être faire une sortie de district. Si jamais. Hein. Ça coûte pas très cher. Oh, ils ont pas trop de travail, ils ont juste ce qu'il faut en travail. Ouais, c'est en manque de rondins. On en manque de rondins? Allons donc. Ajouter un destinataire ici. Ah bah ça va dans l'autre sens pour une fois. Rondin, ok. Parce que là on n'en voit pas de rondins là-bas. Bon, pas de rondins vers le district 2, s'il te plaît. Ils ont assez de rondins comme ça. Une commande de 2 ans mini. Ouais, mais ça dépend avec combien de mois de retard, mon cher Jackal. C'est les mois de retard qui font le. Qui font le tout. Bon, allez, on arrive, il n'y a plus qu'un jour de problème et ce sera réglé. Dommage pour nos patates, elles ont tenu quand même sur le bord, mais là on a perdu toutes les patates en fleurs malheureusement. C'est séché, fané, on a des chips, on n'a plus des patates, on a des chips. Ce sont des choses qui arrivent.
Bon, après, si ça inonde là-dedans, on s'en fout un peu. C'est vrai que là, on en construit des trucs, par contre. Hein. Ça va être pour construire de ce côté-ci. Ça risque peut-être d'être un peu... Parce que là, par exemple, tout là, je peux pas construire. Hein. Donc, mince. Faudrait peut-être un passage comme ça. Temporairement. Des chips nature sans sel, c'est bon pour la santé. Oui, c'est pas faux. Bon, on va voir ce que ça donne maintenant niveau gestion de l'eau. Alors, si l'eau pouvait arriver, s'il vous plaît. Voilà. Et que l'eau soit et l'eau fût. Voilà, on voit que l'eau elle y est pas tout à fait, elle a pas recouvert encore tous les coins et tout. Cours, petite eau, cours. Ah, ça joue des tours aussi ici, hein, faut en faire attention. Hein. Peut-être qu'il va falloir qu'on creuse là hein, pour augmenter la taille du bassin. Hein. Ah oui, vraiment, c'est le temps que ça remplisse tout ce que ça a vidé là-dedans. C'est... ouais, ça fait du monde. Pour le goût, je dis pas. Après, les patates crues, hein. T'as juste une chance sur deux qu'elles soient toxiques, mais sinon, en soi... Enfin, une chance sur deux, une chance sur 10. Qu'elles soient toxiques, si elles sont crues, mais sinon, ça va. Hein. Allez, c'est reparti. Donc on a heureusement on arrive à remettre de l'eau là-dedans par l'intérieur. C'est un peu le point un peu noir, c'est les digues qui sont ici, mais on en a besoin comme ça. Donc je pensais qu'elle ruisselait autant pour moi. Bah elle court aussi. Voilà. Et bah pas d'inondation. Ah ouais, mais là ça monte un petit peu plus. Ouais, voilà, là c'est inondé. Et là ça. On va regarder les trop-pleins, hein. On va regarder ce que ça fait, hein. Là, on va baisser un petit peu. Ah oui, ça monte bien même, hein. Voilà, pour remettre de l'eau bien à niveau. Des beaux courants. Et celui-là, il est vraiment magnifique. Hein. Il y a tellement moyen de bien l'utiliser. Il n'y a que celui-là que j'ai peur qu'il tombe, qu'il reste pas si puissant que ça, malheureusement. Ouais, voilà, on voit très vite, hein, passer de 400 à 150. C'est pas énorme. Hein. Alors que là, il est à 500, là, à 500. Ah oui, ça va tout de suite mieux. Hein, Ah oui, mais on est passé vraiment de... Ouais. De 8 passages à 4 et après on revient à 5. Donc ça fait accélérer les courants. Hein.
Il va falloir se garder des zones pour faire accélérer l'eau, je pense. Ou pour évacuer l'eau si jamais on a des trop-pleins. Parce que là, on est vraiment, vraiment. En fait, on n'ira pas. On est vraiment à la limite, hein. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a? On a 65 objets manquants. Ah ouais, mais c'est d'accord, c'est tout ça. Ah, et ça, on peut pas y aller là. Ah bah ça, c'est con. Ah ouais, mais comment que j'y vais, moi? Oui. Mais ils ont pas tort. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Alors, temporairement, on va faire ça. Excusez-nous, est-ce que quelqu'un peut venir faire ça, s'il vous plaît? Bon appétit à toi, Jackal. Ah bah parfait. Et voilà. Voilà qui me plaît beaucoup mieux. Et là, on n'a pas mieux là. Faut des digues. Va déjà faire ça. Et ensuite, on avait dit aussi. Alors ça va être ça, mais je veux qu'en face de ces deux-là, ce soit un barrage au cas où. Voilà. On va construire, moi je vous le dis. On a prévu quelques petites échappatoires si jamais il y a besoin. Et le courant est rapide en plus, c'est parfait. On va vraiment pouvoir se faire un petit truc ici avec trois. Avec au moins trois, je pense, de plus. Mon avis, ça va être pas mal. Hein. Et on fera peut-être les bottes ici hein, directement. Hein. Mais après, c'est en termes d'acier. Est-ce que j'aurai assez? Ça, c'est autre chose. Mais si on a, on pourra peut-être commencer directement la terraformation par ici. C'est ça que je voulais enlever, moi. Voilà.
puisse envisager des choses intéressantes quand même dans ce quartier. Alors là, j'ai quoi? Là, j'ai 5 personnes qui savent pas ce qu'elles font et il me reste un lit. Et de ce côté-ci, j'ai 4 personnes qui savent pas ce qu'ils font et il me manque un lit. Ah bah, ça en est déjà bien là. On est pas mal, hein.